Salut les copains, juste une petite vidéo pour vous faire un petit peu le topo de mon matos. Vu qu'au fur et à mesure, j'ai un petit peu acheté du matos là, ces jours-ci, voilà, c'était pour faire le point. Voilà mon installation à Infinity, comme vous avez pu la voir plusieurs fois déjà sur le groupe de la Nax Team. Voilà. D'ailleurs, j'ai mis le fond d'écran, là, ça fera plaisir à Naxou. Voilà, pour faire le point, clavier Logitech G510. Donc le casque que j'ai reçu ce matin, le G930, qui fonctionne super bien, je suis surpris, mais à un point, voilà. Et donc le tapis que j'ai commandé il y a quelques jours, et la souris aussi, voilà, un G700. Écoutez, je suis très content de ce matos. J'étais sur Logitech depuis un moment avec les souris filaires, etc. Et j'avais pas de souris sans fil. J'avais jamais essayé. J'ai essayé celle-là. Bon, là, elle est branchée parce qu'elle est en train de charger. Hein. Mais le fil est pas du tout gênant. Quand vous avez la place, c'est pas gênant. Maintenant, si vous êtes un peu serré, c'est un peu la galère, mais sinon ça va. Qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai toujours été Logitech et je suis pas déçu en fait. J'ai pris au fur et à mesure la souris et le casque, même si certains du groupe m'ont conseillé d'autres marques. J'ai pris Logitech pour une question de compatibilité, pour pas être emmerdé à avoir un clavier Logitech, un casque Corsair, une souris Razer ou je sais pas quoi. Voilà, moi je suis assez maniaque là-dessus, donc j'ai préféré prendre tout de la même marque, comme ça au moins je suis tranquille. Voilà, bon, pour l'ordinateur, je crois que j'avais déjà fait le topo, mais bon, les pros Intel et les pros Nvidia vont pas apprécier, mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien. Processeur FX 8350 overclocké à 4,5 GHz. Voilà la bestiole. Hop. La tour couleur master. Stormtrooper. Avec un Réobus devant. Voilà. Carte graphique 7970, 6 Go. Bon, je vais pas vous ouvrir la tour parce que y en a qui vont crier au scandale parce qu'il y a des fils qui se baladent à droite à gauche, mais bon, ça je m'en fous parce que c'est fermé, je le vois pas dedans. 16 Go de RAM en G-Skill, je sais plus quel modèle exactement. Voilà, ça tourne très très bien. La résolution, je passe en 6136 par 1200 et je fais tourner quasiment tous les jeux à fond. Il y a peut-être un jeu ou deux qui je suis obligé de me mettre, soit au lieu de me mettre par exemple en ultra, je me mets en élevé. Voilà, ça passe très très bien. Je me régale. Voilà. Donc vous avez pu voir hier que j'ai fait une soirée spéciale Euro Truck Simulator 2 en Infinity avec le G25 qui est là en dessous, qui est planqué. Bon, il y a les fils. Faites pas attention aux fils, hein, je suis en train de tout refoutre en place. Le G25 normalement est pas là, il est rangé. Et là, derrière les écrans, en dessous, qu'on peut voir peut-être. Qui se planque derrière. Voilà, j'ai la Logitech X530, je crois que c'est. Au risque de me tromper, je crois que c'est ça. En 5.1, qui fonctionne super bien aussi. Je suis bien calé là, avec du Logitech, voilà. Je suis super content. Voilà, c'était pour faire le point. Et pour passer un coucou à la Nax Team. Voilà. Allez, ciao les potos.